فيما يخص مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني، أكد مدرب منتخب السلطنة العمانية بولو غوين في تصريحات خاصة بها موفد البلاد بالدوحة أنه رغم الفوز أمام المنتخب الماليزي إلا أن مباراة الخضر ستبقى أكثر صعوبة رغم الخسارة التي مني بها أشبال كريستيان غوركيف أمام المنتخب القطري. Aujourd'hui, je ne peux pas dire on va jouer pour gagner contre l'équipe d'Algérie. Je sais situer l'équipe d'Oman. On analyse les qualités des deux équipes. La moindre des choses pour nous, c'est d'être humble et de se dire voilà, on va essayer de faire du mieux possible, tout simplement. Oui, j'ai regardé le match. J'ai eu l'opportunité de regarder le match. Ça a confirmé tout le bien que je pense de l'équipe d'Algérie, paradoxalement. Je trouve qu'ils ont un niveau technique très, très fort. Ils avaient la maîtrise du ballon. Après, ils ont subi des contre-attaques, mais je trouve que cela confirme malgré tout le potentiel de cette équipe. Le niveau technique est très, très, très fort. Et je pense que cette équipe, lorsque des problèmes de gestion des contre-attaques aura été réglés, ça va être une équipe qui va être dangereuse, même pour les meilleurs du monde. Ils ont tous ce niveau sur le terrain, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Moi, je les connais tous, ces joueurs. Pour beaucoup, ils jouent en France. En Angleterre, ouais, et puis il y a Mahrez en Angleterre. Je les connais tous, évidemment. Je pense que je connais mieux les joueurs algériens que Christian ne connaît les joueurs romanais, mais c'est normal. Oui, on essaye de. C'est pour ça que notre victoire contre la Malaisie était importante. Après, contre l'Algérie, si on avait voulu assurer des points FIFA, franchement, on n'aurait pas joué contre l'Algérie, parce que l'Algérie est supposée être meilleure que nous. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Et le Qatar a gagné contre l'Algérie, a pris des points, on est des rivaux pour le classement au niveau de l'Asie, donc ça ne nous arrange pas vraiment. J'aurais préféré que l'Algérie gagne, mais c'est comme ça.